Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 18 mars 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr, la vidéo est intemporelle. Nous avons du pain sur la planche dans les 3 semaines qui viennent, à partir de maintenant jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je crois que c'est le 8 avril. On a 3 semaines là, très très chargées, avec plein de choses qui se passent. Je vous explique. Et après, on fera, comme d'habitude, nos thèmes de la semaine et puis l'impact sur les couples divins. On verra ce qui se passe là. Mes guides me disent peut-être que c'est mieux de faire en 2 vidéos pour pouvoir peut-être aller en plus en profondeur ou en tout cas alléger pour les personnes que ça n'intéresse pas. Dites-moi si ça vous parle plus, ce format en 2 vidéos, ou si vous préférez avoir tout condensé en une, comme ça vous faites en une fois. Cette chaîne est la vôtre, donc dites-moi ce qui est le plus adéquat pour vous. On verra ce qui se passe ce soir. Je disais donc que nous avons une période intense qui s'ouvre. La saison des éclipses s'ouvre bientôt, elle s'ouvre la semaine prochaine. Avant ça, nous avons après-demain, mercredi 20 mars 2024, notre équinoxe, le retour complet de la lumière, enfin le retour, la domination de la lumière du jour dans notre hémisphère qui commence mercredi. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas rappelé dans les dernières vidéos, mais on aura un live mercredi soir à 21 h sur cette chaîne. Comme d'habitude, vous recevrez le lien juste un petit peu avant. Je le posterai un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et on se retrouvera là. Ça sera un super, super soir d'après ce que je peux comprendre. Vous savez que je poste au dernier moment parce que j'ai les infos voilà, dans le jour même. Et je me prépare beaucoup pour ces lives. Et d'après ce que je peux comprendre, il y aura des superbes, superbes énergies avec beaucoup d'amour, une canalisation qui viendra, pour laquelle je me prépare depuis un petit moment déjà, une énergie que j'ai pas encore canalisée ou en tout cas dont j'ai pas transmis les messages, je fais un petit teasing quand même, dont j'ai pas transmis les messages encore en live. Et ça va être très 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 beau. On arrive dans une période là aussi de renouveau, le printemps, et beaucoup de places seront données aussi aux manifestations, mais aussi aux couples divins. C'est un live qui sera consacré à la manifestation de ce qui vous tient le plus à cœur, et on va beaucoup parler des couples divins certainement. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, rayon gémellaire. Tout ça. Donc nous avons cet équinoxe. Ensuite, lundi prochain, nous aurons, on en reparlera bien sûr, hein, il y aura d'autres vidéos, nous aurons la pleine lune en balance, pleine lune éclipse. Ensuite, nous aurons l'énergie de l'amour inconditionnel avec l'énergie christique qui crée un égrégore. Alors cette fois, c'est Pâques, mais parfois c'est avec Diwali, parfois il y a plein de choses avec les énergies christiques. Ça crée des égrégores et ça nous permet d'être dans le renouveau. Il y a les personnes aussi qui fêtent Ostara. Il y a plein de belles énergies qui s'entremêlent là. Et ensuite, nous aurons une nouvelle lune éclipse le 8 avril, je crois. Et entre-temps, vous savez que pour l'instant, toutes les planètes sont directes jusqu'au 1er avril. Et qui c'est qui nous fait un petit retour en rétrograde? Eh bien, c'est notre cher Mercure, évidemment. On ne pouvait que commencer la rétrogradation par lui. Ne diabolisons surtout pas Mercure en rétrograde, il fait beaucoup beaucoup de bien. Mais voilà un petit peu dans les 3 prochaines semaines, on en reparlera, on ira plus en détail là-dessus, bien sûr, mais un petit peu le programme en avant-première. Et notez surtout le live mercredi à 21 h. Ça, j'ai envie de vous voir, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu en live parce que j'étais en arrêt maladie et en convalescence. Donc j'ai très 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 hâte de vous revoir et de refaire un live. Nous avons donc les thèmes de la semaine, c'est parti, j'ai assez blablaté toute seule. Alors, mes guides m'ont dit, nous avons la pleine lune en gémeaux et la nouvelle lune en taureau. Nous avons ici 2 énergies, les saisons des taureaux et gémeaux sont plus si loin finalement. Et on a ici une énergie de complétude où on reçoit enfin le fruit de notre labeur, où la prospérité, la, la,
La nouvelle lune, ouais. La nouvelle lune en taureau nous dit la prospérité est à venir, la prospérité est programmée. Et la pleine lune en gémeaux nous dit les réponses dont tu as besoin arrivent, elles sont en chemin, elles sont aussi programmées. Donc il y a des programmations là auxquelles vous avez participé, bien sûr, hein, c'est une co-création avec l'univers, la manifestation. Et les choses sont prêtes à être manifestées. Et on est, vous voyez, c'est sans programmer encore, on est dans cette préparation, on est dans les starting blocks exactement, avec le chariot. Il y a les derniers équilibrages, les derniers calibrages qui se font avant de lancer ce chariot à pleine vitesse. Mais ça ne veut pas dire que c'est très agréable et qu'il ne se passe rien du tout. Ça veut dire que les choses commence tranquillement. Si vous prenez bah, justement l'image de la course de chevaux, si vous regardez ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, peut-être que ça vous correspond, que ça correspond à une personne. Il y a un moment où, comme je peux comprendre, il y a les portes qui s'ouvrent comme ça, mais il y a la première étape, c'est d'amener le cheval dans ce box, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait le départ qui soit donné. Et c'est un petit peu cet avancement-là qui nous est donné cette semaine, qui nous est demandé. Donc faites, entreprenez les actions nécessaires si vous êtes guidé. Ce qu'on dit aussi, soyez aussi dans la confiance que ce qui est programmé vous est destiné et ce qui vous est destiné ne vous loupera jamais. Okay? Vous ne pouvez pas faire faux, vous pouvez être que vous-même et les choses s'équilibrent grandement pour vous. Ça peut être, et je vous le dis, beaucoup, une union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Mais il y a des choses qui se manifestent là. On va parler des couples divins, bien sûr, mais il y a des manifestations. Excusez-moi, j'ai touché le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Je disais, oui, les manifestations sont en train de se. J'entends vraiment ça, les starting blocks. Ce qui est important cette semaine, surtout en ce début de semaine, c'est de laisser partir encore une fois cette blessure de rejet. Je sais que c'est difficile parce que vous dites, mais cette blessure-là, quand c'est qu'on arrive au bout des blessures? Alors, c'est le travail d'une vie. Donc, soyez plutôt dans ce travail de dire, c'est une découverte d'une vie, d'aller chercher tous les enfants qui sont à l'intérieur de vous. Je vous le répète souvent, hein. Cette semaine, on est sur les regrets. Et la blessure de rejet. Les regrets, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais pas dû prendre cette décision, j'aurais dû parler, j'aurais dû rien dire. Tout ça, les remords, les regrets, il est important de faire la paix, de faire au maximum la paix avec ça, avec vous-même. On vous demande pas de pardonner ce qui est impardonnable pour vous. C'est pas ça que l'univers demande, hein. L'univers nous demande de nous pardonner et de comprendre aussi, parfois, que dans la grande image, tout est une histoire de co-création et de collaboration. S'il y a des gros traumas, hein, on vous demande pas de pardonner à un agresseur si ça ne fait pas partie des plans, si ça ne fait pas partie de quelque chose qui est juste pour vous. Le pardon, il vient quand il vient, si il vient. L'essentiel, c'est de se pardonner à soi-même en premier. Ça, c'est quelque chose qui est très. Et souvent, c'est une culpabilité qui est inconsciente. Donc, on parle de ça cette semaine, de l'équilibrage de votre blessure de rejet. On ne va pas la guérir tout en entier cette semaine, évidemment. L'équilibrage de votre blessure de rejet, de votre peur du rejet aussi. L'équilibrage de tous les moments où vous avez rejeté peut-être quelqu'un ou des opportunités, des énergies qui vous étaient peut-être destinées et qui vous sont toujours destinées, mais où ce n'était pas le moment. Et c'est ce rejet-là et ces regrets qu'on nous demande d'équilibrer. Qu'est-ce qu'il se passe? Déguisement. Il y a des choses qui vous sont cachées dans cette situation. Ok. Oui, c'est ça. On est beaucoup dans des choses très inconscientes.
Ok, j'ai mon guide qui me dit, c'est surtout en rapport avec votre partie intérieure, vos parties intérieures. Qu'est-ce que la féminité pour vous, que vous soyez homme ou femme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans votre féminine intérieure, que vous y êtes à l'aise? Pour les hommes, peut-être que c'est une découverte. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans votre masculin intérieur et que vous y êtes à l'aise? Pour les femmes, c'est peut-être une découverte. Aller au-delà des déguisements, des clichés, c'est ce que j'entends dans mon oreillette. Aller au-delà des clichés de genre, aller au-delà des clichés et des étiquettes. Ok. Cette semaine, on va au-delà des clichés et des étiquettes. Effectivement, avec le set de Pentacle, il y a une notion de timing divin. Mais j'entends, là, j'entends tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le moment d'avancer. Alors là, il y a plein de cartes. Je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre. Ouais, on me dit quand même, prends tout. Alors, nous avons les amoureux, le roi de bâton. Le 8 de bâton, le 10 de pentacle, on se croirait presque au loto, non? La justice, la reine de bâton, la reine d'épée à l'envers et le 2 de pentacle. Alors, je vais faire une histoire, je ne vais pas interpréter tout à la suite, évidemment. Ok, ce qui est important, il y a les amoureux et la justice. C'est important d'équilibrer vos relations. La reine d'épée à l'envers, ça indique le deuil, les deuils qui a à faire à l'intérieur de soi. J'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû dire. C'est aussi de renoncer à des choses qui auraient pu se manifester, ça faisait partie d'une ligne du temps potentielle, ce n'est plus là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas juste. Ça ne veut pas dire, parce que vous me dites, certaines personnes peuvent me dire, oui, mais si j'avais fait ça, il serait arrivé ça, déjà. On ne le sait pas. Et si c'était arrivé plus tôt, de la manière dont que vous avez imaginé, et si c'était pas, et certainement que l'univers a fait ça pour une raison, c'est que c'était pas la bonne. Ok, c'est que ce n'était pas la bonne ligne du temps. La ligne du temps qui vous est réservée est toujours la plus élevée. À vous d'accepter ou de la rejeter. Mais cette ligne du temps est en tout temps disponible et accessible pour vous. Donc oui, avant, il y avait peut-être des choses qui étaient disponibles pour vous par peur, par du rejet, par le syndrome de l'imposteur, par manque de valeur de soi ou de confiance en soi. On a pu rejeter ça. C'est pas une question de valeur, en fait. C'est une question que l'univers. Je sais pas si vous comprenez, hein, parce que vous pouvez pas vous tromper. Donc, en même temps, l'univers sait que vous allez repousser un truc qui est bien pour vous, mais en même temps, ça fait partie du plan parce que c'est juste. Voilà, si c'est plus clair. Ce qui est important par rapport à enlever les déguisements, c'est de dire, en fait, oui, je regrette beaucoup ce que j'ai fait, de vous l'admettre et de vous pardonner. En fait, oui, j'ai encore un deuil à faire sur cet ex que j'ai pas vu depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire renoncer si c'est votre autre et ben voilà, votre contrepartie divine, ça veut pas dire, ah mais Véronica, elle est en train de me dire que c'est pas lui ou c'est pas elle. C'est pas ça. Renoncer à la relation qui existe dans vos têtes, qui prend de l'énergie et qui est investie au mauvais endroit. De dire, cette relation-là, elle se passera jamais. Parce que, comme je l'ai imaginé, parce que je suis devenue une autre personne. Parce que maintenant, je comprends d'autres choses et que l'autre personne est aussi devenue quelqu'un d'autre. Et c'est ce deuil-là, en fait, que parfois on oublie de faire. C'est un petit peu comme si c'est des karmas potentiels qui doivent. On doit fermer un peu des portes, en fait, pour arriver dans le fou, le nouveau départ absolu, où on peut se croire un peu fou, où on peut se dire non mais cette fois je suis parti, cette fois je suis trop perché, cette fois il n'y a plus rien qui me retient. Non, vous êtes parfaitement au bon endroit. Numéro 24, il est temps de faire une sieste. Oui, laissez-vous le temps. On est vraiment ici, c'est ce que je sens, hein, beaucoup dans les espaces inconscients. Donc, méditez au maximum, demandez aussi avant de vous endormir, d'avoir des soins, d'avoir des réponses dans vos rêves, tenez un journal de rêves si ça vous parle. C'est beaucoup. Cette fois, je prends pas tout parce que j'étais juste maladroite. C'est beaucoup des choses au niveau inconscient où votre mental doit voyager d'un monde à l'autre. Le vôtre mental, là, il est entre deux paradigmes, entre deux manières de penser. Donc forcément qu'il y a les choses du passé qui vont essayer de vous critiquer.
Tu vois, hein, par le passé, t'as pas fait ça, donc tu vas te tromper la prochaine fois. C'est la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure à l'envers. Quand elle est désalignée, elle peut être un peu remplie d'amertume, elle peut être sujette à la rancœur, à la volonté de vengeance aussi. Faites la paix avec ça, ce sont des énergies qui sont basses. Faites la sieste avec ça. Vous voyez, laissez aussi celui qui doit prendre faire une sieste, c'est aussi votre mental. C'est les angoisses de le syndrome de l'imposteur. J'entends ça beaucoup là, le syndrome de l'imposteur. Vous êtes parfaitement qualifié pour le job parce que vous avez signé et que c'est l'univers qui vous a engagé. Et l'univers ne fait pas d'erreur de recrutement. C'est ça qui est en train de se passer. Le chariot, c'est aussi le retour sur investissement, c'est aussi l'accomplissement, c'est aussi les honneurs, le chariot. Et laissez votre mental prendre un petit peu de repos et laissez votre cœur prendre le relais. Pourquoi? 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 Parce que si vous faites ça, ce qui vous tient à cœur, les âmes sœurs autour de vous, alors bien sûr, ça peut être une amoureuse, hein, le 2 de coupe. Les âmes sœurs autour de vous, ce qui doit être réuni le sera toujours, ce qui vous est destiné ne peut pas vous manquer. Donc mes guides se répètent un petit peu. Hein. Ok, on va mettre une phrase canalisée en commentaire pour activer tout ça, créer notre égrégore positif auquel on pourra se connecter, peu importe à travers, peu importe quand et peu importe où, on voyage à travers le temps et l'espace là. Alors la phrase canalisée. Ok. Je suis dans l'acceptation de la tristesse en moi et je me sens. Okay. Je suis dans l'acceptation de la tristesse Oh là là, ça va très vite. Je suis dans l'acceptation de la tristesse en moi. J'accepte le deuil et j'accepte le bonheur à nouveau. Vous voyez, c'est d'accepter tout ça. Je suis dans l'acceptation de la tristesse en moi. J'accepte le deuil et j'accepte le bonheur à nouveau. Voilà. Waouh, c'est très très beau en fait d'accepter qu'il y a des parties de vous peut-être qui sont encore en deuil et qui ont peut-être de multiples deuils. Et ça n'empêche pas que la vie avance et que vous pouvez prendre ça avec et vous ne devez pas tout nettoyer avant de. Vous ne devez pas avoir tout compris, surtout que là on est certainement un peu à l'aveugle, vous n'avez pas besoin de tout comprendre et d'avoir tout compris avant de passer à l'étape de votre vie. Pourquoi? Parce que peut-être que les personnes qui doivent vous aider à comprendre ce deuil, à passer ce deuil encore plus, à comprendre ce qui est en train de vous arriver, bah, elles attendent qu'une chose, c'est d'arriver pour vous donner les réponses. Les réponses, voilà, on a fait le cercle, les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Laissez-les venir. Et c'est pas parce que vous dites, mais je suis cassée encore à l'intérieur, s'il y a encore de la dévalorisation. Peut-être que le remède, il est juste au coin de la rue et que vous vous en privez et que nous nous en privons. Ok. Est-ce qu'il y a une guidance pour ces belles personnes très courageuses qui sont toujours là à regarder cette vidéo? Et puis, je pense que je vais couper et que je vais faire l'autre vidéo et je les posterai. Séparément. Voyez, arrête de culpabiliser, tout va bien. C'est laisser cette culpabilité-là. Et puis on a vu, on a le 9 d'épée, c'est la culpabilité, c'est les angoisses, c'est l'anxiété, c'est l'insomnie aussi. Arrête de culpabiliser, tout va bien. Tout est enclenché, le changement arrive. Donc voyez à quel point on nous dit tout va bien, on est drivé. Participez à être la vibration, elle est là. Délestez-vous de tout ça et tout ira bien. Voilà, j'espère que cette lecture pour cette semaine vous aura éclairé. Et bah, si vous venez dans la prochaine vidéo, je me réjouis de vous retrouver juste après. Et sinon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.